coup, on va faire une nouvelle vidéo sur la présentation de mes animaux. Mes animaux, alors certains qui sont en photo parce qu'ils sont, ils sont plus là. Et aussi de ma jument préférée que je vais vous montrer. Et c'est tout, alors on commence tout de suite par mon gros chat. Qui est là? Minou. Voilà mon gros chat. Il s'appelle Minou. Et j'en ai encore deux autres, mais qui sont pas là. C'est sur des photos. Voilà. Moi, je vais vous faire montrer mes chiens. Enfin, mes chiens qui sont morts, malheureusement. Alors, voilà un de mes chiens. Spike. Et là, nous avons encore mon chien Spike avec la chienne de ma tante, Elou. Et j'ai 2 minutes, je vais mettre tiens, mon chat, il s'impatiente. Désolé, mais mon chat voulait sortir. Voilà. Après, là, nous avons ma chienne, Luna, qui est décédée. Nous avons un de mes petits chats, Plumy, qui était tout petit. Et nous avons un autre chat que j'avais, Hercule. Et là, nous avons toujours Plumy. Voilà. Là, je vais vous montrer quand ils sont petits bébés. Alors, voilà Luna. Et voilà sa sœur jumelle, que ma tante avait aussi quand ils sont mortes de la même maladie. Fidji. Et voilà mon petit Spike Cunet. Voilà. Ils sont entourés de mes chevaux. Slash, hein. Mais ma jument préférée dans mon écurie s'appelle sérieusement Oma. Et c'est une petite ponette que je vais vous montrer en photo. Je t'en vais parce qu'elle casse un peu le décor. Allez, hop. Voilà. Et maintenant je vais vous la montrer en photo. Alors vous la voyez comme ça. Alors en fait c'est une jument 2015 je crois. Ouais c'est une jument 2015. Et en fait comme vous pouvez voir, que ce soit un tout petit peu sur la caméra, c'est qu'elle a un peu, quand on la touche, elle est un peu râpeuse. Voilà. Tandis que la vraie, elle est pas râpeuse. Et la vraie, elle a une tache blanche là. Tandis qu'elle n'en a pas. Elle ressemblait beaucoup à ma jument préférée. Alors que je vais vous montrer tout de suite. Voilà une grosse tête. Alors il y a quand même. Là, je vais pas la mettre dans le sable parce qu'elle vient de sortir. De l'imprimante. Voilà, c'est ma jument préférée dans mon centre. Alors, il y a quand même des petites ressemblances. Hein. Déjà, elle a la crinière noire, comme vous pouvez voir. Elle aussi. Elle a la même couleur. Voilà pourquoi je l'ai décidé de l'appeler Oma. Et bon, bah, elle est dans son box, dans mon centre équestre. Voilà. Et elle a une petite tache là. Et elle a aussi un peu les oreilles noires. Tandis qu'elle n'en a pas. Mais quand même, quand on voit comme ça, ça fait quand même une petite ressemblance entre les deux. Alors, si vous savez pas ce que ça veut dire, Oma. Non, ça veut dire grand-mère, hein, si jamais. Pas que des Allemands, ils entendent Oma et qu'ils croient que c'est basé sur une grand-mère, en fait, non. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt dans une nouvelle vidéo.